Audi va cesser d'inclure les pompes à chaleur dans l'e-tron du quatrième trimestre en raison d'approvisionnement, de pénurie d'approvisionnement en semi-conducteurs. Non mais vu le prix payé en plus quoi, c'est une honte de plus avoir de pompe à chaleur, franchement. Pour indemniser les nouveaux propriétaires pour le retrait de cette pompe à chaleur, Audi indique qu'ils fourniront un crédit de 1 000 $ pour toute e-tron Q4 construit sans pompe à chaleur. Waouh! Malheureusement, Audi n'a aucune idée du moment où les pompes à chaleur seront rajoutées à leur chaîne de production, expliquant dans le mail que le changement est pour une période indéterminée. Les propriétaires potentiels ont évidemment des questions sur ce changement, sur ce que ça signifiera pour l'autonomie du véhicule notamment. Surtout que là-bas, au Canada, il fait froid, hein. Alors, je sais pas si ça concerne l'Europe d'ailleurs aussi, mais ça concerne l'Amérique du Nord, ça c'est sûr. Audi tente de répondre de manière préventive à ces questions dans le courrier électronique, affirmant que l'estimation officielle de l'autonomie de ressources naturelles Canada, 380 km, sera la même avec ou sans pompe à chaleur. Ouais, là. Ils sont malhonnêtes, franchement. Bien sûr que non, ça sera pas la même autonomie s'ils mettent le chauffage à fond, s'il fait très froid, s'ils mettent le chauffage tout le trajet par rapport à une pompe à chaleur, par exemple. Le constructeur automobile poursuit en disant que cependant, l'avantage d'une pompe à chaleur est réduit à mesure que les températures baissent ou à des vitesses plus élevées. Ouais, bon, ok. On essaie de sortir les rames hein, chez Audi. Très bien, bah écoutez, est-ce que c'est suffisant selon vous, un crédit de 1 000 $? Ils auraient pu être un peu plus généreux, je trouve. Je vous laisse commenter.